je ronronne, ça s'entend, hein. Isabelle Ballon est mon invitée des éditions Créaprint, on parle de Guy Moina. 8h11, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Quel plaisir, ce sourire toujours, qui ne se voit pas à la radio mais qui s'entend. Isabelle Ballon des éditions Créaprint, bonne année, bonne santé. Bonne année, bonne santé et surtout de belles heures sur l'eau. Ou sous l'eau d'ailleurs. Sous l'eau, bah oui, on va plonger dans le monde de la mer, ou en tout cas pas très loin, avec le Guy Moina dont on va parler dans un instant. Alors je ne vais pas demander de faire une rétrospective de l'année 2016, mais simplement pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, édition Créaprint édite plusieurs ouvrages. Hein. Alors on est un peu les spécialistes des guides pratiques. Ce que j'aime bien, c'est le restaurant. Voilà, il y a le guide Maitei, guide des restaurants avec plein de bonnes recettes maintenant. Il y a le guide Tamari, des activités pour enfants et ados. On a le guide Faré qui est le guide de l'habitat, le premier guide de l'habitat en Polynésie. On a, qu'est-ce que j'oublie, le guide des métiers, toutes les formations. Et on a l'incontournable Dixit qui est plutôt un magazine et qui va bientôt paraître également. Alors ça, on parle de version papier, mais il existe des versions numériques. Hein. Des versions numériques. Alors on ne peut pas les télécharger, bien entendu, parce que c'est quand même notre cœur de métier. Mais on peut les feuilleter gratuitement et ça, c'est vrai que c'est pratique. C'est pratique. Numéro 20, Happy Birthday to you. Le numéro 20 de Moina, le guide de la mer. Moina, le guide de Tahiti et de ses îles. Guide professionnel, guide amateur. Alors en fait, ça s'adresse à tous les amoureux du Grand Bleu et du Lagon. Mais est-ce que quelqu'un qui est vraiment le vieux loup de mer, qui connaît bien son truc, peut faire abstraction de ce guide ou il peut encore trouver des choses? Alors c'est surtout qu'il va y trouver toutes des informations incontournables. Si par exemple il a besoin d'un pense-bête au niveau de la radiotéléphonie, il aura toutes les infos de la NFR qui sont mises à jour tous les ans. Donc on peut dire que c'est un petit guide A5 qui est pratique à emporter à bord. Bon, il n'est pas plastifié, mais en fait sous une pochette plastique, il devrait pouvoir tenir les embruns. Et à la fois, il s'adresse aux amoureux, aux néophytes, à ceux qui arrivent et qui veulent prendre connaissance un petit peu de ce qui se passe ici, la réglementation. En matière de sécurité, ça c'est des incontournables. On est obligé chaque année de redonner le B.A.B.A. Oh. Cette année, on reparle des balises de détresse. Pourquoi il faut en acheter? Pourquoi il faut... Et où en acheter? Où s'en procurer? À quel prix? Tout On retrouve. Alors, on sait que la FEPSM en a de bons tarifs, mais ce n'est pas les seuls. Donc évidemment, nous aussi, notre objectif, c'est de valoriser ce que font les professionnels et de mettre en avant leurs nouveautés. Donc je salue encore une fois tous ceux qui jouent le jeu. Il y a vraiment des magasins spécialisés avec des vrais spécialistes qui sont à même de vous renseigner pour l'achat d'un bateau, d'un moteur ou d'un paddle. Ou d'un tout ce qui touche le monde de la mer. Le JRCC a son mot à dire. J'imagine qu'il y a quelques pages consacrées aux missions, qui rappellent un petit peu les règles. Alors il y a un rappel des missions qui s'est mis à jour chaque année. Donc on sait que le MRCC est devenu le JRCC. Ouais. Donc ça c'est un petit peu étendu. Pourquoi. On explique pourquoi bien sûr. Et on a aussi Action de l'État en mer. C'est beaucoup plus vaste. Ça explique aussi les missions au niveau du contrôle des pêches, de la douane, etc. Donc il y a cet aspect un petit peu réglementaire qui est un petit peu rédhibitoire, mais qui est important. Et on a aussi tout un côté plus fun. Où, par exemple cette année, on a mis l'accent sur les sports nautiques. Pourquoi? Parce que c'est en vogue et... Parce que, enfin, ça c'est une conviction personnelle. Je pense que les sports nautiques, c'est les sports les plus adaptés aux Fénois et les plus accessibles. C'est-à-dire que rien que d'aller nager dans le lagon, ça ne demande pas grand-chose. Éventuellement une petite bouée si on n'est pas rassuré. Mais sinon, on peut profiter et faire du sport et se sentir bien dans l'eau sans grands moyens. Évidemment, après on peut délirer. J'ai pensé tout de suite au jet ski et tout ça. Ah oui, mais alors après on peut délirer. Mais justement, je pense qu'il y en a pour tous les moyens et pour tous les goûts. Donc on peut faire trempette au bord de l'eau, tout comme on peut aller beaucoup plus loin pour aller pêcher du gros poisson ou pour naviguer sur un gros catamaran et découvrir tous les archipels. Je crois que vraiment le Moina est taillé sur mesure pour toutes les personnes qui vivent ou qui sont de passage en Polynésie. Et puis numéro 20, on lisait, hein, 20e numéro. Alors, on n'a pas vu le temps passer. Moi, j'ai pas fait les 20 numéros, mais je crois que c'est le 10e quand même que je fais. Et c'est important de garder ce lien avec l'océan qui nous entoure. D'une part, le protéger, ça c'est incontournable. Il faut en prendre soin pour que nos enfants puissent continuer à s'y baigner et y voir toutes les richesses sous l'eau. Mais il faut aussi avoir... justement à ce propos des coraux, des poissons, ce qu'il y a... Alors cette année, on n'a pas trop mis l'accent sur cette partie-là. Bon, évidemment qu'il y a un fond d'articles qu'on peut retrouver sur les anciens magazines, puisqu'on peut les consulter aussi sur Internet. Malheureusement, c'est un petit guide qui doit faire des choix... éditoriaux chaque année. Donc j'aimerais bien faire une encyclopédie de la mer et chaque année... Il y a quand même quelques pages, il y a combien de pages dans ce... Oui, il y a 90 pages, je crois, entre 80 et 90 pages. Il y a évidemment toujours un carnet d'adresses qui est mis à jour chaque année, donc on y retrouve les adresses incontournables.
Mais j'ai un peu perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que oui, qu'il est important aussi de bien saisir que le Grand Bleu est source de revenus. D'abord pour les pêcheurs, de l'économie bleue. Économie voilà, bleue, on a mis une belle étiquette et je trouve que ça convient bien. On reprend ce qui était dit dans l'actualité ou alors on approfondit les choses avec des alors, choses c'est des concrètes. Dossiers qui synthétisent un petit peu les informations de l'année passée, qui sont rédigés d'ailleurs par Isa Ozan, qui est une consultante HEC qui maîtrise vraiment bien le sujet. Avec HEC, on se dit, ouais, elle doit être intelligente. Mais ça fait beaucoup d'années qu'elle écrit et pour Moana et pour Dixit. Dixit a toujours des dossiers qui parlent aussi de l'économie bleue. Et donc, nous, on fait un peu une synthèse parce que le guide Moana s'adresse plutôt au grand public, donc on va pas faire une étude économique très poussée, mais en fait on donne quand même des grandes indications au niveau du secteur et on sait que le tourisme bleu se développe, le tourisme de croisière, les charters, même la location de bateaux avec ou sans skipper. Donc on donne un petit aperçu et je veux surtout qu'on reste très positif. C'est absolument pas un guide qui dit oh là là, attention on pollue, attention on fait ci, attention on fait ça. Non, c'est rappeler les règles, vous dire rappeler les règles, voilà. Si on les respecte ça doit pas. Être carré parce que aussi malheureusement l'actualité nous rappelle que dès qu'on fait un petit peu moins attention, il arrive des accidents. Il y a eu trop d'accidents de plongée cette année. Il y a trop de pêcheurs qui se sont retrouvés coincés. Alors, tout ça aurait pu être évité. On peut pas refaire le monde, mais il faut quand même rester prudent. Est-ce qu'avec ce guide, on reste dans la mer, dans le Moana, ou alors est-ce qu'on aborde un peu le foncier avec les bords de mer, l'enrochement? Est-ce que ça, c'est non, le rôle ça, du guide? Ça, ce sera plutôt le guide Faré. Le guide Faré, ah oui. Voilà. Là, le lien entre les deux. Nous, on est déjà un petit peu côté lagon et côté large, parce que la frontière entre les deux, elle est parfois infime, et puis on peut profiter de l'eau de différentes manières. Mais non, c'est quand même véritablement fait pour ceux qui vont sur l'eau, sous l'eau, voire un petit peu au-dessus de l'eau, ceux qui font du parasailing ou ce genre de choses. Mais voilà, ceux qui ont envie de mettre les pieds dans l'eau avec ou sans prise de risque. Le guide Moana, 20e numéro, est sorti, va sortir, c'est encore tout chaud, il est sous presse. Alors, il vient de sortir ce matin, c'est comme les petits pains au chocolat, il vient de sortir, j'en ai même pas à te proposer ce matin, mais j'en déposerai. J'ai trouvé ça déplorable. Voilà, et il sera en point presse cette semaine, mais peut-être pas ce matin, il faut peut-être laisser un petit peu le temps au réseau de mettre ça en rayon. Il sera évidemment disponible aussi chez nos partenaires, dans quelques administrations qui sont en lien avec les affaires maritimes, la direction des ressources marines, etc. Et puis, chez nos partenaires, bien entendu. Mais les partenaires essentiellement sur Tahiti, Moorea, ou alors est-ce qu'on peut espérer qu'aux Marquises, on puisse avoir un exemplaire, ou alors on compte sur la version numérique? Alors, il y a la version numérique déjà. Si vous nous le demandez, vous voulez vraiment l'avoir par courrier, vous nous faites un petit mail à creaprint@mail.pf. Et moyennant l'envoi et le coût du guide, qui est vraiment très... C'est un très petit prix, on pourra vous l'envoyer. C'est 500 francs, ça n'a pas bougé depuis très très longtemps. Mais il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que nous, on l'envoie aux gendarmeries dans les îles. D'accord. Donc et ça, par contre, ça ne va pas se faire tout de suite. Ça sera à peu près d'ici un mois. Bon, on l'a dit, hein. Petit pain au chocolat, il est en train de sortir de la presse. Voilà. Il est encore tout chaud. On est quand même des artisans boulangers. Ouais. Donc, Créaprint, c'est une petite équipe. Donc, il faut que les choses se fassent au jour le jour. Et donc, ça partira dans les gendarmeries dans très peu de temps. Et on pourra donc le trouver dans tous les archipels, aux Marquises y compris. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de la Polynésie. Guide Moana, 20e numéro. Je vais vous laisser le mot de la fin, Isabelle Balland, des éditions Créaprint. Alors, le mot de la fin... Les remerciements, évidemment, des sponsors. Les remerciements, c'est effectivement tous nos partenaires sans eux, qui nous guide, suivent hein, depuis très très longtemps. Et j'ai oublié de parler de quelque chose d'important, c'est que en 2017 et en 2018, il y a des compétitions de Vaha très importantes. Ah, donc le sport, il y a la Tahiti Nui Vaha, qui a lieu tous les deux ans, on en parle, et il y a aussi les championnats du monde. La TPR également La TPR, alors on n'en parle pas directement cette année. Ça fait partie des festivités. Voilà, mais on le sait, c'est devenu une institution. Créaprint.pf, c'est le site internet de Créaprint. Exactement. Pour pouvoir le consulter. Non, et consulter tous nos autres guides, comme on a parlé au début. Même les anciens. Merci Isabelle, on se Merci revoit Pascal. Quand alors dans quelques semaines pour parler d'un autre bientôt, guide. Bientôt, parce qu'en fait, quand on en a fini un, il y en a déjà un autre c'est qui va sortir. C'est moi, ce sera Faré. Faré, ah ben voilà, le lien entre la mer et la terre. Exactement. Merci Isabelle, belle Merci, année encore, plein de projets. Et bon Isabelle vent à tous. Ballet, des éditions Créaprint.